C'est dans la fraîcheur des hauts, sur les pentes du Tévelave, qu'est installé René-Paul Lépiné, un producteur de fraises pays. Ici c'est la fraise, c'est Annabelle comme variété. D'accord. C'est... Là, on a commencé la récolte. Pas vraiment. C'est au tout début, c'est ça? Voilà, il y a commencé à avoir 2-3 fraises, mais pas en grosse quantité. Ce sont les toutes premières fraises de la saison qui sont récoltées ici. Depuis une trentaine d'années, René-Paul et sa femme exploitent 4 serres de production. La fraise, toute une tradition dans la famille. Et pourquoi on a eu envie de faire de la fraise? Bah parce qu'on a toujours fait. Et bon, on a toujours aimé, donc... Même si elle peut dire de temps en temps, il casse un peu le dos, mais bon... Pour soutenir la production locale de fruits et légumes, le département aide les producteurs indépendants comme René-Paul. Pour un tonnage minimal de 5 tonnes de fraises par an, cet agriculteur disposera d'une subvention de 3000 euros. Ben, il aide à financer un peu des plants, de la fumure. Comme cette année, on a eu un surcoût sur les plants. Parce que d'habitude, les plants ils rentrent par bateau. Mais cette année, là, il y a un problème, il fallait faire rentrer par avion. Donc moi, il y a un surcoût de 1000 euros sur les plants. Donc il y aide quand même pas mal. Et ce sont les agents de la cellule agricole du département qui accompagnent ces agriculteurs dans la réalisation et le suivi de leur dossier d'aide à la production. Donc le dossier il est pré-rempli, il est publiposté. Et quand on arrive face à eux le jour du rendez-vous, on les appelle au moins 3 fois avant de les rencontrer pour être sûr d'avoir tous les éléments nécessaires au montage du dossier. Et ce jour-là, on remplit le dossier avec eux. On revoit un petit peu tous les éléments constitutifs du dossier, on revoit toutes les pièces justificatives et puis on reste en contact avec eux par la suite. Les demandes d'aide pour la filière fruits et légumes sont disponibles jusqu'au 30 juin. Pendant ce temps, les fraises se cueillent à maturité sous ces serres et pour notre producteur pays, cette saison, ces fraises sont aussi belles que sucrées. Très bonnes. Ouais. Ah ouais. Cette année, les fraises sont bien sucrées. Comme tous les ans. Ici, tous les ans, elles sont bonnes. D'accord. Donc, on peut manger les fraises de chez M. Lépinière. Ouais.